dont les membres élus. Vous voyez, la décision prise, c'est de ne plus donner la responsabilité des visites d'inspection aux membres du comité exécutif ni à la commission d'organisation. Maintenant, c'est un cabinet d'audit de renom accepté par tout le monde qui assure cette visite d'inspection avec des experts en football. On verra. Vous avez entendu la déclaration des autorités politiques camerounaises qui nous annoncent qu'ils sont prêts pour ça. Nous, pour nous, c'est tout simplement envoyer cette délégation pour l'inspection et prendre acte des rapports de ce match. Dommage que certains de vos collègues ne comprennent pas la réalité lorsqu'ils insistent sur cet aspect qui n'est même pas un point où on doit discuter. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous confirmer, avec le standard, avec le cahier de charge qui est en place aujourd'hui, aucun site au Cameroun n'est disposé à accueillir la CAN. Au jour d'aujourd'hui où nous parlons. Alors, et dans ce cas de figure-là, quelle hypothèse on peut envisager ? L'hypothèse, c'est tout simplement d'attendre que les autorités camerounaises, avec la structure du football, il y a un comité d'organisation qui va accueillir la visite d'inspection. Et ces experts vont analyser la situation pour que ce ne sera pas la honte de la Confédération ou l'organisation. À ce moment-là, les décisions vont être prises de manière objective et respectant les dispositions et les procédures internes de l'organisation. Ahmad Ahmad, en séjour au Burkina Faso. Hier, le syndicat des routiers du Burkina a entamé une grève illimitée pour protester contre des violences à l'encontre de certains de ses membres. Et le syndicat demandait également une réaction du gouvernement. Ce soir, nous avons le secrétaire général du ministère en charge des transports qui est avec nous, M. Issaka Sigué. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de venir répondre à nos questions. Le syndicat des routiers du Burkina qui proteste contre des violences à l'encontre de certains de ses membres au poste frontière de 50. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement? Disons que nous avons effectivement reçu de manière formelle du syndicat hier autour de 11h une lettre nous disant qu'ils vont manifester à partir du vendredi jusqu'à nouvel ordre pour protester contre justement des sévices qu'ils ont subis. Nous les avons conviés tout de suite à une rencontre dès 15h30 et nous avons entamé ces discussions jusqu'à aujourd'hui et je pense qu'on est arrivé à un point d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que cela fait suite à des concertations que nous avions eues depuis la semaine surpassée autour du paiement de la redevance.